Salut tout le monde, c'est Artfrag et aujourd'hui on va tester le jeu Haze, The Horror Game. Donc Haze, c'est un petit jeu indie où le but est de ramasser des sacs de pièces il me semble. J'ai pas voulu trop m'enseigner pour garder l'effet de surprise bien évidemment. Donc c'est parti, alors on va passer parce que moi je suis nul en anglais, faut le savoir, donc on va passer tout ça. Ok. Donc déjà je peux remarquer que c'est un jeu qui est assez fluide. Franchement, c'est vraiment fluide. Hop. Ah bah voilà, bah ça commence bien. 1 sur 20. Si, si la famille. Alors, clac, clac. Ouais. Donc à mon avis c'est un peu genre un jeu à la Slender. Hein. Sauf que là, c'est pas des pages, mais des sacs. Press M to use. To see the map. Non. Hop. M, non ça marche pas M. Ah voilà. Allez, parce que je suis en AZERTY, le jeu de base il est en QWERTY, donc du coup faut appuyer sur la virgule. D'accord, map très précaire. Très précaire. Ok. Voilà, bon. Ouvre-moi ça toi. Comment on ouvre la porte? Push, door to open. Ah! D'accord, en fait il suffit de foncer dedans. Alors, ah! Sexy! Alors, I can't leave yet, I need to find this new bike. Ok. Ok, une boîte. On va monter à l'étage. Comme ça, ça sera fait. Oh, yeah. Easy. Allez, trois sacs d'un coup. Hop là. Oh. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ouh là là, j'ose pas sortir. J'entends des bruits vraiment bizarres. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose derrière la porte. Y'a pas... Oh! Si, si, la famille. Oh... Bon. Je suis en train de filmer. En temps normal, je serais resté 3 ans dans la pièce. Mais vu que je suis en train de filmer, bon, je vais devoir sortir. Il y a une sensibilité de ouf hein. Ok, donc il me semble que ça on peut les ramasser. Alors presque tout si. Ah oui, donc là c'est en QWERTY, c'est vrai, donc A. Oh ouais, donc ça à mon avis ça sert à montrer à faire visiter un peu. Ah là je suis arrivé, une petite... Oula. Non, il n'y a même pas de sac là-dedans. Oh, 6 sacs sur 20. On peut mettre de la musique. Ah, c'est français. C'est Edith Piaf ça. Ah, si vous connaissez le nom de la musique, notez-le dans les commentaires. Très sympathique en tout cas. Ouais, donc il n'y a plus de paquet là. Oh putain, je le sens. Putain, j'aime pas les portes qui se referment comme ça. Ah, ouf. Bon, voilà. Un œil. Ok. Oula. What the fuck? On peut sprinter avec shift. Putain, non, ce jeu a l'air de vraiment foutre les boules hein.
Salut grand-père. Salut mamie. Oh si si. Easy. J'ai peur que... Oh, c'est quoi ça? C'est mauvais, ça doit être mauvais signe ça. Attends, attends. Oulala, je me casse. Allez, ouvre-toi. Ouais, c'est bizarre ça. Ouais. Ouh, cette porte là, l'aspect de cette porte me donne pas envie de la franchir. Hein. What the fuck? Oh, mais là, il y a trois sacs. Hein. Je fais quoi là? Bon, allez. 8, 9, 10, 10 sur 20, déjà j'ai la moyenne. Putain, ça je sais pas ce qui se passe là. Ta gueule! Ah, arrête! Arrête! Bon. On va les laisser dans son... Oulala. Attends, je vais partir par là. Non, je sens mal. Non, c'est bon. Bon, pour le moment, j'ai envie de dire vraiment easy, quoi. Oh putain, elle m'a fait peur, elle. Easy de chez easy. Run, run. Pourquoi run? Wow, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on vient de me demander de courir. Je sais pas ce que c'est le délire. En tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai 11 sacs sur 20. Si, si. Wow, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Doucement les chaises, doucement. Oh, trempe pas, c'est moi, t'inquiète, n'aie pas peur. Attends, j'essaie de monter dessus. Vas-y, tremble. Ah, tu fais moi la maline, hein. Bon. Oh, putain. C'est vraiment... Alors, le système de que tu pousses les portes, tu vois pas directement ce qui arrive. C'est vraiment flippant. Ah, j'ai trouvé une clé. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Doucement. Run, mais tu veux que je... Quoi? Ah, waouh, what the fuck? Waouh. D'accord, bah je viens de me faire attaquer par un... ce qui semblerait être une tête de vampire décapitée de femme. Original, j'ai envie de dire, hein. Je me fais attaquer par des insectes. Donc ouais, je veux pas recommencer. Je vous laisse le plaisir de découvrir le jeu. Donc ce jeu c'était Haze. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage. Enfin plutôt, ça me ferait plaisir si vous mettiez un petit pouce vert ou alors si vous vous abonniez. Donc voilà, salut.